Je suis un papa très investi, hein. Je sais que je suis pas le seul au monde, on est de plus en plus de papas à se bouger. C'est génial, il y a plein de papas maintenant qui font des trucs. Ouais. Tu vois, dans les squares, il y a plein de papas, c'est pour ça que c'est le bordel d'ailleurs. C'est vrai, quand c'était les mamans qui étaient au pouvoir, c'était organisé les squares. Hein. T'avais un gamin qui montait trop haut, il y a toujours une maman en bas pour faire... Et maintenant, il n'y a plus que des papas. Et les papas, ils font quoi? Ils font « Allez, vas-y, plus haut !»« Allez, putain, mais lui, il y arrive, hein, ça me saoule. » Pareil, 16h, l'heure du goûter. Tu te souviens du temps des mamans comme c'était organisé? Tout le monde avait son goûter, c'était une pub Kinder, le square. 16h aujourd'hui, du temps des papas, t'as plus que des mecs qui font « Merde !» Avec des enfants à côté. « Bon, toi, là, oublié, m'en doutais. » Qu'est-ce que tu répondras à ça? Pourquoi j'ai oublié ton goûter? Parce que je suis pas maman, voilà. Je ne pense à rien. Allez, mouche-toi. Mouche... Mouche-toi dans ton pull. Et là où vous êtes invincibles, les femmes, c'est pour la négociation. Vous savez, quand c'est l'heure de rentrer à la maison, le soir, il y a toujours un gamin qui veut pas. Il y en a toujours un qui se roule par terre au milieu. Avec tous les parents qui le regardent. Putain, j'espère que c'est pas le mien, parce que là... C'est vrai qu'on sait pas à qui il est, celui-là. Hein. Aucune idée, il est là. Ta mère suce des... C'est le fils du diable. C'est le fils du diable et personne n'a envie d'avoir à gérer. Mais les femmes, vous y arrivez, vous. Parce que vous avez la technique absolue. Vous avez la technique du « tu veux pas rentrer à la maison ?» Bah écoute, très bien, tu restes là, voilà. Moi, je vais rentrer toute seule. Et toi, tu vas venir dormir tout seul dans le square, dans le noir. Et peut-être je viendrai te chercher demain. Bonne nuit. Et ça, ça marche, l'enfant il finit toujours par suivre. Quand c'est la maman. Ah, j'ai déjà vu un papa essayer de faire ça. Un des meilleurs moments de ma vie. Le gamin allait regarder son père, il fait... Et comment tu veux expliquer ça à maman ?